janvier 2018 sortira notre second DVD, La pêche à la truite dans la vallée du Nioro. Et le lac du Niño y prendra une place importante. Nous aurions pu donc garder au chaud ces images et ne pas les faire partager. Mais ce n'est pas notre philosophie et ce n'est pas ma philosophie. Donc, après avoir trié et regroupé les images qui seront dans le DVD, des images exceptionnelles, uniques, même pour certaines, mais pour cela, je vous invite à patienter encore un peu plus d'un an pour les découvrir. J'ai décidé de faire partager les rushs qu'on n'utilisera pas. Donc, je vous laisse profiter de cette journée avec nous sur le lac du Niño. Non, nous ne sommes pas montés en hélicoptère au lac du Niño juste pour se faire plaisir ou pour faire les beaux. C'était une véritable nécessité pour monter tout le matériel nécessaire à la plongée de nos amis de Corse Images Sous-Marines. Il aurait été impossible de monter à pied tout ce matériel. Une plongée que nous voulions, que nous rêvions et que nous avions imaginé depuis quelque temps déjà. Un rêve donc s'est réalisé. Et je pense que c'est une première. En tout cas, je peux me tromper, mais à mon sens, je n'ai jamais vu d'image du dessous du lac du Niño. Je remercie le parc national Corse ainsi que la société Corsos Hélicoptère d'avoir rendu possible les images que vous voyez aujourd'hui. Sur ces images, les nombreuses algues qui sont aux abords du lac, ce qui confirme donc les images de nos plongeurs. Ils ont fait un travail exceptionnel pour nous fournir une telle qualité. Ils ont travaillé vraiment comme des pros, comme toujours. Merci à nos amis de Corse Images Sous-Marines. Gardera dans nos mémoires longtemps la magnifique couleur de cette truite, une robe exceptionnelle.
Les Pozzine qui sortent du lac du Nino, la source du Tavignano, le second fleuve corse. Nous avons bien entendu tourner des images exceptionnelles dans ces Pozzine où nos plongeurs ont été formidables. Et nous avons essayé de les aider en recherchant ce qu'on souhaitait, l'image exceptionnelle. Une image que vous ne verrez pas sur cette vidéo, mais que vous verrez dès janvier 2018 sur notre DVD, car nous avons réussi à l'avoir grâce à leur patience et à leur professionnalisme encore une fois. Certains, pour ne pas contourner les Pozzine, s'amusent à les sauter. Et si vous nous suivez régulièrement sur notre site, vous savez pour deux d'entre eux comment ça a fini. Sur ces images, vous rentrez vraiment dans les coulisses du tournage. D'autant plus que pour cette journée exceptionnelle, Marc Waterloo, qui réalise un documentaire sur Ludovic de la Cour, président d'Handicap Passion Pêche, un pêcheur de la Brune, qui devrait sortir sur la chaîne Season au mois de septembre et que je vous conseille vivement, était également dans la partie pour tourner les images nécessaires. Nous avions également la chance d'avoir rencontré un autre réalisateur, Jérôme Espla, qui lui était là pour tourner un documentaire. Corse, rivière sous surveillance, un documentaire qui devrait sortir avant la fin de l'année et qui promet déjà beaucoup et que je vous conseille également de regarder. Pas mal de temps à tourner nos images, ça aurait été bien mérité. Et comme on voit ici, notre ami Alain de Corse Image Sous-Marine, quand il n'est pas dans l'eau, il tient une canne à main et se défend pas mal. Alain, quand il n'est pas dans l'eau. Nous remercions Alain Castellani qui est venu nous récupérer avec un de ses amis, avec ses chevaux et ses mules. Car monter en hélico est une chose, mais pour descendre, et surtout pour la descente du lac du Nino, où c'est qu'il faut pas mal monter avant d'attaquer une descente, et ce n'est pas aisé, sans mouler, nous n'aurons jamais pu redescendre le matériel de plongée. Donc un grand merci à lui, parce que ces images n'auraient pas été possibles sans hélico et sans les mules. Il est temps pour nous de quitter cet endroit exceptionnel. Un endroit où c'est qu'on se sent un peu seul au monde. On est sur une autre planète. Un paradis fantastique quand on aime la nature et quand on aime les truites. Je vous invite à patienter jusqu'à janvier 2018 pour voir des images encore plus fantastiques avec des commentaires totalement différents, une musique différente, bref, autre chose. Ici, la beauté du paysage que nous offre la descente du lac du Nino.
hide yourself. She's a puzzle which make up your life. Many threads of coincidence, just like waves in the end of your mind. And you're gone away, leaving sheets of your poems in rain. You had never felt so afraid on a transatlantic plane.